je vais vous raconter un peu l'histoire de comment s'est passée toute cette exposition pour arriver à cette exposition aux abattoirs à Toulouse. Ça vient de Dominique Himes, une grande amie qu'on a de toujours, qui m'a téléphoné pour me dire qu'il y avait un intérêt de la part du musée des abattoirs de faire une exposition. Et là, je me rencontrais avec Valentin Rodriguez et aussi avec la directeur du musée, Annabelle. Et bon, tout de suite, moi, je me suis rendu compte que c'était un espace magnifique pour faire une exposition Chillida. C'est un espace si grand et si haut que je pensais précisément dans une sculpture qu'on l'a suspendue du toit, parce que pendant plusieurs fois, j'ai voulu toujours suspendre cette sculpture dans des différentes expositions que je fais en Espagne et dans des autres endroits, mais jamais je pu le faire. Et justement ici, en regardant, j'ai dit ici, sûrement ça serait possible. Tout de suite, à partir de cet espace, on a commencé à développer ce qui sont les différentes salles et les différentes œuvres qu'on va et qu'on a installées, non? Mais le commencement, c'est précisément avec cette sculpture pour parler de la gravitation. L'exposition, elle est conçue autour des 4 éléments. L'eau, l'air, la terre, le feu. Elle est construite donc autour de cette sculpture d'acier suspendu Beaulieu, mais aussi à partir de cette histoire emblématique des peignes du vent. Donc les peignes du vent, c'est un ensemble de 3 peignes en acier, chacun de plusieurs tonnes, qui sont suspendus à Saint-Sébastien sur des éperons rocheux. Et il faut savoir que cette idée-là, Eduardo Chillida est là depuis 1952. Et il va mettre 25 ans à les réaliser. Mais ce projet, c'est un projet global de paysage, puisqu'il travaille avec un architecte, il travaille avec un ingénieur. Et donc, en fait, toute l'esplanade est conçue en fonction de la mer, du mouvement du vent, des éléments qui sont très forts sur ce côté de l'océan Atlantique. Et donc, l'eau remonte par des geysers, comme une sorte de musique. On sent le vent. Le peigne du vent, d'ailleurs, c'est l'idée d'inverser. Normalement, le vent qui nous peigne, et cette fois-ci, c'est la sculpture qui peigne le vent. Et d'avoir ces espaces qui sont des espaces paysagers déjà de land art. Et donc ce rapport à la mer, au vent, à la terre, puisqu'ils sortent directement des rochers, est pour nous vraiment emblématique. Ensuite, on a une salle qui est assez incroyable, qui est une salle blanche, qui est une salle conçue autour de sculptures en albâtre, notamment une sculpture en albâtre qui est un hommage à l'architecte, qui est comme si la forme d'une sorte de labyrinthe sortait de la sculpture d'albâtre qui est au sol. Et ensuite, tout autour, on a des sculptures en albâtre, ce qui est très étonnant parce que l'albâtre, c'est une matière qui est classique en sculpture, mais qui avait été complètement abandonnée par la modernité et qui permet d'avoir une sculpture d'un autre élément, c'est la lumière. C'est blanc, ça resplendit. Et autour, on a ces étonnants découpages qui sont appelés gravitation. Et c'est l'idée qu'à partir de la sculpture du papier, ce qui est quand même la chose la plus simple au monde, il arrive à traverser l'espace et tout est suspendu par des filins. Et on est vraiment dans cette idée de légèreté très étonnante de la matière. My father was, during his whole life, he was always drawing in his studio, but at the same time he was drawing with a pencil or with ink, he was cutting the papers, and during a long time he have used the collage as the technique for putting the papers together. But he was a man very clean in his studio, and he needed to love the materials, and the glue was a material that he didn't love at all. And he was trying to do like a kind of collage without glue. And one day he came home to have lunch and he said to our mother, "Pili, at last I have done one collage without glue." And it was the first gravitation he made in which he was handing the papers. And in this way it was in the same sense as a collage, but in the moment that was without glue, between the papers it was an space. And he said, how could you compare the space with the glue? The space is something nice and incredible. incredible, and the glue is something that I hate. Un autre point très important pour nous, c'est une salle qui est consacrée au projet public, mais au projet public au sens large. Donc on a notamment une œuvre qui est conçue avec 3 stèles. On traverse l'espace environnant, c'est montrer aussi comment l'espace de la sculpture intègre le vide, mais intègre aussi l'espace qui est autour des différents éléments. Le tout en rapport avec des œuvres gravées. On voit bien là comment Eduardo Chillida travaille cette question du volume, du blanc, des vides, mais aussi tout un ensemble de sculptures publiques et d'affiches. Alors les sculptures publiques, c'est très important pour Eduardo Chillida. Il en a eu beaucoup de commandes dans les années 80 et 90. Pourquoi? Parce qu'en fait, la sculpture publique, pour lui, qui refuse le bronze, parce qu'il refuse de dupliquer la sculpture, eh bien, il ne veut pas dupliquer les collectionneurs, il veut dupliquer que le fait que le monde entier peut posséder sa sculpture. Et donc, la sculpture publique, ça permet qu'elle appartienne à tout le monde. Et là-dessus, il travaille sur les suspensions, sur les paysages, sur les reflets dans l'eau, des projets complètement monumentaux qui, comme pour les paniers buvants, on est obligé d'inventer des procédés techniques ingénieux et d'une dimension incroyable, des coffrages qui font des dizaines de mètres de haut, des fours qui permettent de fondre l'acier, alors que d'habitude on ne peut pas fondre à ces tailles-là, et donc il y a vraiment cette idée de travailler l'espace public. Mais cette question du public, elle apparaît aussi dans les affiches, qui sont des ensembles assez peu montrés, moins connus, qui sont des affiches pour les droits de l'homme, pour Amnesty, pour d'autres causes, qui sont en fait que même si Eduardo Chillida n'est pas dans un mouvement partisan, il est vraiment dans cette idée de l'humanité et du rapport à la nature. Et donc c'est vrai que là, on se situe devant les maquettes de Tindaya. Donc Tindaya, c'est un projet utopique, hein, mais dont on a l'idée que peut-être il sera réalisé un jour, qui est un projet assez étonnant. C'est l'idée qu'on pourrait excaver une montagne, donc construire une sculpture en creux dans laquelle les gens pourraient pénétrer, et dans lesquels ils verraient des puits de lumière, et donc dans lesquels la sculpture, le paysage lui-même, deviendrait une montagne. Et ça nous rappelle aussi que Eduardo Chillida, c'est vraiment quelqu'un qui est ancré dans l'histoire de l'art, avec cette idée, bien sûr, qu'il revient à une tradition, celle de la forge, mais qu'il l'inclut dans une histoire de la sculpture du métal qui se développe au XXe siècle depuis Pablo Picasso, Julio González, qu'il travaille cette ligne du métal dans les années 50, à l'instar de quelqu'un comme David Smith aux États-Unis, d'Anthony Caro en Angleterre, mais que d'une certaine manière aussi, il est préfigurateur du travail sur la matière et le fer que fait Richard Serra, et aussi d'une réflexion sur la nature qui est proche d'une réflexion que mènent les artistes du Land Art également. Et ça, pour nous, c'était important que tous ces aspects-là soient présents, et aussi que tous ces aspects-là, ils soient réunis dans un espace qui est un espace qui a une architecture tellement marquée que lié ce travail de réponse entre l'architecture des abattoirs et la sculpture si architecturale d'Eduardo Chillida.